Merci de nous recevoir chez vous. Merci de nous recevoir sur le numéro de « On ne peut pas plaire à tout le monde ». C'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Nombreux se le disent souvent, mais sans vraiment creuser jusqu'au bout. Nous avons décidé, toute l'équipe de CNN et de CWeb Info installée, nous avons pris comme QG en plein cœur du plateau à Abidjan, que je vous permets de découvrir. D'abord, pour commencer, nous sommes en plein cœur du plateau, un endroit féerique, un endroit qu'avait toujours pour habitude de dire, de qualifier le président Félix Houphouët-Boigny de petit Manhattan. Pour ceux qui connaissent les États-Unis et surtout New York, Manhattan, c'est ce petit îlot où il y a des très très grands buildings. Et le président Félix Houphouët-Boigny était toujours très jaloux de vouloir mettre en exergue cette belle capitale devenue désormais la capitale économique, puisque Yamoussoukro est devenue la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et nous avons décidé de recevoir quelqu'un, un jeune, brillant. Chez les anglo-saxons, on l'aurait plutôt appelé dans la sphère de la law, c'est-à-dire du juridique, on aurait plutôt classé dans la new boss law generation. Si vous voulez encore, ce quelqu'un qui, en marge de la sphère politique, est un grand, je dirais, un avocat brillant, jeune par son âge, mais expérimenté. Il est notre invité dans cette émission. Lui, c'est tout simplement Maître Abdoulaye Ben Meïté. Nous allons le recevoir juste après la réclame. Maître, bonjour. Bonjour, Constier. Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être des nôtres. Et surtout, je sais que pour la circonstance et pour la période, vous êtes tellement sollicité, votre emploi de temps est tellement chargé. Mais toute l'équipe de CNN réunie ici, toute l'équipe de production, ne cessera jamais de vous dire merci d'être là aujourd'hui. Alors, je sais, Maître, que vous êtes d'abord avocat. Ensuite, vous êtes député d'une ville qu'on appelle Cani. Exactement, le paradis. Voilà. Et aussi, vous êtes secrétaire de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Non, du tout. Du tout. Alors, je suis membre du bureau, désormais membre du bureau de l'Assemblée nationale, où j'occupe en qualité de secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. À ne pas confondre avec le secrétaire de l'Assemblée nationale. Très bien. Je suis secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Ça fait aussi plaisir, parce qu'on peut souvent dire que le fait de surfer un peu sur Internet, on a souvent des informations un peu truffées. Oui, non, pas du tout, parce que j'ai suis membre de la commission des lois, qui est la commission des affaires générales institutionnelles. Et depuis l'avènement du président Amadou Soumaoro, qui m'a fait confiance, parce qu'anciennement membre du bureau de la commission des lois, de la commission des affaires générales institutionnelles, je suis désormais membre du bureau. Très bien. Voilà, membre du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est le titre de notre émission. Cette émission se décline en quatre articulations. Très bien. La première articulation, c'est l'intérêt général. On sait que ça touche vraiment la population. Ensuite, on parlera un peu de politique. Vous y êtes, vous êtes député. Et des réussites. Et nous allons clore cette émission avec une rubrique que nous avons intitulée « Comment plaire ?». Puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde, il faudrait que Maître nous dise comment on peut plaire. Et sans plus tarder, Maître, nous allons aborder la première articulation de cette émission, c'est-à-dire l'intérêt général. Maître Abdoulaye Ben Meïté, il faudra retenir ce nom désormais. Vous voulez qu'on vous appelle maître ou alors honorable? Maître, je préfère. C'est votre profession. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Alors maître, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, disait que nos pays africains sont des États et non des nations. De nos jours, la Côte d'Ivoire, selon vous, est-elle une nation ou pas? Mais avant, qu'est-ce que c'est une nation? Qu'est-ce que c'est un pays? Alors, c'est une question qui est aussi vieille que cette notion. Vous savez, il y a l'un de mes enseignants qui a eu la plus belle définition de la notion d'État. Il faut partir de là. C'est le professeur Yao Paul Ndré, ancien président du Conseil constitutionnel, mais que Satan avait possédé à un moment donné, mais qui nous disait en son temps que l'État se définissait comme la fixation sur un territoire d'une communauté humaine
régi par un pouvoir institutionnalisé ayant le monopole de la violence légitime. Ça, c'est l'État. Quant à la notion de nation, la notion de nation vient de natio, qui veut dire extraction, donc sortie d'eux. En réalité, il s'agit d'une communauté humaine qui a en partage la conscience d'une identité historique, linguistique, religieuse et autres. À la différence de l'État, une nation n'est pas forcément fixée sur un territoire. Vous avez la nation juive. Ils ont une identité historique, ils ont une identité linguistique et ils ont conscience qu'ils appartiennent effectivement à cette même identité-là. Parlant de la Côte d'Ivoire, je suis aise de dire que la nation ivoirienne est en perpétuelle construction. Et les écueils que nous assistons aujourd'hui participent justement de cette construction-là. Mais je pense qu'il ne faut pas désespérer. Ce n'est pas pour longtemps avec le président Alassane Ouattara. Maître, un de mes brillants aînés me disait que l'Afrique souffre d'une éducation de ses peupléades, enfin de sa peupléade, de ses jeunes. Et ceci m'a amené à réfléchir. Et je vais vous poser aujourd'hui la question, parce que vous êtes l'homme indiqué. Qu'est-ce que c'est qu'une république ? C'est une très belle question. C'est un terme qui est utilisé, qui est même galvaudé. Pour comprendre la notion de république, il faut revenir effectivement à l'origine, à l'étymologie, qui provient du latin res publica, chose publique. Donc c'est une forme d'organisation de l'État dans laquelle le pouvoir, la chose publique, est la propriété du peuple, est gérée au nom du peuple, soit directement par le peuple, ou alors par des personnes qui sont désignées discrétionnairement par ce peuple-là. Donc directement par le peuple, nous avons par exemple le référendum, où le peuple agit. Et dans le cadre effectivement de ces représentants, vous avez des élus. Ce qu'il faut retenir, c'est que la République rime avec la notion de démocratie. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et je crois que vous avez compris, et surtout la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui, parce que c'est surtout à vous qu'on s'adresse, quand on pense et quand on sait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire avoisine à peu près 70% de la jeunesse qui forme la population ivoirienne, et surtout africaine, parce qu'il est important que les mots soient décrits, et surtout soient vraiment décrits par ceux qui maîtrisent. Et rien de plus normal que notre invité soit aujourd'hui Maître Abdoulaye Ben Meïté, avec qui nous parlons un peu de tout ça. Maître, alors, pour aborder la question sécuritaire dans la République, parlons de la sécurité, un axe majeur qui garantit la paix dans tout pays normal. Et je crois que la Côte d'Ivoire a retrouvé toute sa place dans le concert des nations, devenu l'un des pays les plus attractifs du continent. Ce n'est pas trop de le dire, c'est une évidence réelle. En 2010, on dénombrait 6 armées. À ce jour de 2020, nous avons une armée unifiée. Votre commentaire ? Ben, je pense que mon commentaire, c'est d'abord une satisfaction. La Côte d'Ivoire vient de loin. Et c'est pour cela, ce qui justifie, consolide mon appartenance à cette vision du président Ouattara. Nous sommes assis aujourd'hui avec ce paysage. Je pense qu'il y a 10 ans de cela, on ne pouvait pas faire pareil. Parlant de sécurité, effectivement, nous avons parlé tout à l'heure, nous avons abordé la question de la République. La République a des personnes qui garantissent sa sécurité. Vous avez la police. Le mot police également vient du policia, qui a la même racine que l'étymologie des politiques, les gardiens de la cité.
Je pense que c'est un premier critère de sécurité, qu'une république soit gérée par des personnes qui sont légitimes à avoir les instruments, les éléments pour assurer la défense de la cité. C'est le cas actuellement. Donc vous avez parlé d'une armée unitaire. Je pense que cela participe, n'est-ce pas, de la vision et de l'adresse du président de la République qui, avec Maastria, a su rassurer les militaires, a su recruter des militaires, a su recruter, rassurer, organiser l'armée. Et je pense que cela dénote d'une réelle volonté de faire de la Côte d'Ivoire un État attractif, comme ça l'est aujourd'hui. Alors, maître, vous êtes une personne avisée quand on parle du droit dans son ensemble. Vous êtes l'un des avocats de l'État de Côte d'Ivoire, c'est pas... Vous ne m'en voudrez pas de le dire, quand même. Très bien. Une anecdote croustillante. Avez-vous une anecdote croustillante? Alors, bah oui. C'est-à-dire que j'étais à mes bureaux, donc à mon cabinet au Vallon, lorsque j'ai reçu un appel m'informant de ce que l'État de Côte d'Ivoire avait souhaité que je sois celui-là même qui devait mettre en place une équipe pour la défense des institutions, la défense de la Côte d'Ivoire, notamment dans le cas de certaines affaires, devant la CPI et même devant la Cour africaine des droits de l'homme. Alors, il m'avait été demandé de former une équipe à l'effet de me joindre à d'autres confrères français pour l'intervention volontaire de l'État de Côte d'Ivoire dans l'affaire du moins procureur dans ces pays contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Vous savez, il y a eu tellement de choses qui ont été dites. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Côte d'Ivoire n'était pas partie au procès. La Côte d'Ivoire avait sollicité de la Cour des observations à faire dans le cadre de ce procès-là. C'était un peu une forme d'amour patriotique, un tout petit peu. Oui, ben, je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. On ne peut pas plaire à tout le monde. Un avocat n'a pas pour mission de plaire à tout le monde. Un avocat obéit à sa déontologie et à la mission qui lui est confiée par son client. Ceci étant, alors, j'ai mis en place donc l'équipe qui m'avait été demandée pour la Cour africaine des droits de l'homme. Mais je me suis assis et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi moi? Et si j'ai un avocat? Et pour répondre à cette question, je me suis référé à un confrère, non des moindres, je viens avec l'anecdote, hein, Maître Samassi Mamadou. Maître Samassi Mamadou était l'un des avocats du président de la République dans le contentieux de sa nationalité. Là, on parle bien du président Alassane Ouattara. Oui, bien sûr. Et déjà, quand j'étais en sixième, je venais accompagner mon père au palais de justice d'Abidjan. Mon père qui avait pour avocat Maître Samassi Mamadou. Alors en sixième, je venais accompagner mon père. Oui, et alors qu'il parlementait avec mon père, je tenais son sac. Il était en toge. Quand il parlait, il essayait de tirer sa toge. J'ai regardé ça. J'ai dit, mais bien, moi, je vais être avocat. J'ai fini le BEPC. Je suis allé dire bonjour, j'appelle Tonton Samassi. Je suis allé dire bonjour à Tonton Samassi à ses bureaux. Après le baccalauréat, je suis venu le voir. En ce moment, il avait son cabinet à Alençon, comme ça, il est toujours. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, être avocat. J'ai été reçu à la faculté de droit d'Abidjan. Et après ma maîtrise, je suis encore revenu le voir. Je lui ai présenté le CAPA. Et voilà, quelques années après, je me retrouve son confrère. Donc c'est lui, je suis allé le voir. Je lui ai dit, j'ai besoin de toi dans mon équipe. Et il a accepté de se joindre à nous. Et nous avons fait tout ce périple ensemble au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Voici pour l'anecdote. Belle anecdote. Alors, maître, l'apport ou la contribution des collectivités décentralisées, parlons-en pour le commun des Ivoiriens, en quoi cela a-t-il été bénéfique? Alors, vous touchez là un sujet assez important. D'abord, c'est quoi la décentralisation? C'est une forme d'organisation de l'État, unitaire, dans laquelle une certaine autonomie est conférée à certaines entités. Vous avez la communalisation, vous avez la régionalisation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense, et c'est ma conviction intellectuelle,
aucun État unitaire ne peut véritablement se développer sans une décentralisation réussie. C'est un processus. Je pense qu'il faut, je milite en faveur d'une plus grande autonomie de nos régions, de nos communes. Mais encore faut-il que les personnes qui les incarnent soient suffisamment outillées à la gestion de la chose publique. Mais je suis un peu gêné de constater que la plupart des personnes qui sont à la tête de nos régions, de nos communes, je ne parle pas forcément avec une casquette politique, ne sont pas suffisamment pénétrées de la responsabilité qui est la leur de conduire à bon port l'action du gouvernement auprès des populations. C'est un instrument de développement. L'autonomie a un prix. L'autonomie demande du sacrifice, mais demande aussi du sérieux. Je pense que la Côte d'Ivoire est en train de réussir cette décentralisation, mais je pense qu'il faut encore des efforts à consentir. Alors, comment croyez-vous apporter une contribution sur la réduction de la pauvreté, souvent incompris par l'Ivoirien lambda, qui n'entend que des espèces sonnantes dans sa poche? Ah oui. C'est son seul entendement. Ah oui. Quand il n'y a pas ça, pour l'Ivoirien, il n'y a aucune évolution ni modernisme. Vous savez, du fait de faire une comparaison, une évolution de la situation, autant de vous faites boigner, et c'était votre belle époque, hein, autant de vous faites boigner, il y avait des modèles. Moi, je me rappelle encore, pour l'anecdote, mon modèle était un ministre de la République. Je ne l'ai jamais rencontré, et je rêve même de le rencontrer jusqu'à ce jour. Il est encore vivant. Il s'appelle Kami Ali Ali. Oui, Kami Ali Ali. Il était avocat. Il était avocat en France. Là, il était avocat, il est rentré. Oufoué Boigny lui a fait confiance. Il a été délégué aux affaires étrangères. Il a été ministre de la Justice. J'ai encore ses discours. Mais les jeunes, déjà, à l'enfance, on avait déjà le nom de tous les ministres. On arrivait à les identifier, à s'informer sur eux. On voulait réussir. Et le plus adulé de la classe à l'époque, c'est celui qui avait les plus belles moyennes, les plus bonnes moyennes. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Je pense que la guerre est pour quelque chose. Vous avez vu des gens qui se sont enrichis. Ça a créé une crise des valeurs. Avec son corollaire de jeunes patriotes qui ont estimé qu'il fallait seulement crier Laurent Gbagbo pour avoir de l'argent. Il y en a qui ont estimé qu'il fallait d'abord militer dans le cadre d'une association de défense d'une certaine république pour avoir de l'argent. Donc le travail est relayé au second plan. Je pense qu'il faut aujourd'hui, parlant de la Côte d'Ivoire précisément, il faut réconcilier la Côte d'Ivoire avec sa devise. Il faut de l'union. Il faut de la discipline et il faut du travail. C'est pour cela que je prie Dieu que le président de la République ait la santé pour pouvoir achever son programme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, notamment en matière d'éducation, en matière de santé. La volonté y est. Je pense qu'il appartient à la Côte d'Ivoire de créer un climat, un environnement de paix, à l'effet de pouvoir mettre les jeunes, la jeunesse, devant ses propres responsabilités. Il faut travailler. Aujourd'hui, je parle de vous. Déjà, quand on était au lycée Consti et K, pour nous, c'était... On dit à Consti qui sort à la télévision. Ou c'était Yves Obo Junior. Non pas parce qu'ils ont fait de grandes études, mais ils ont cru en leur destin. Et je me rappelle, lors de vos émissions, souvent vous parliez de Paris. Tout à fait. Et en même temps... Vous vous vantez de l'école dans laquelle vous avez fait effectivement vos classes. Une école de communication. J'ai ça encore en mémoire. Il y avait un rêve. Je pense que la jeunesse aujourd'hui a besoin de rêves. La jeunesse gagnerait à abandonner la facilité. La facilité a des corollaires. La prostitution et consorts, le vol, l'escroquerie, le détournement du denier. Je pense qu'il faut que ça arrête. Il faut que la jeunesse ivoirienne soit suffisamment encadrée.
à travers des modèles, des personnes qui vont incarner des valeurs en ces personnes, lorsque la jeunesse se retrouvera, elle abandonnera effectivement ces pratiques qui sont pour moi des pratiques malsaines. Au vu des résultats macroéconomiques, avec cette croissance enviée par tous, malgré la pandémie de la Covid-19, n'est-il pas nécessaire que les factures d'électricité, par exemple, soient remises à zéro, c'est-à-dire les compteurs à zéro, jusqu'en décembre 2020 pour soulager les familles en difficulté à revenus moyens? Première chose, la seconde, ce qui fera sûrement à coup sûr un gain considérable pour cette dite famille ivoirienne. Que pensez-vous? Vous savez, tout est une question d'options politiques. Je pense que de loin, on ne peut pas poser un tel regard sur un certain domaine aussi sensible que le domaine de l'électricité. Je sais qu'il y a des efforts qui sont consentis par le gouvernement. Vous savez, combien de villages ont été éclairés? Combien de villages sont sortis du noir? Il y a encore des villages à électrifier. Je pense que les Ivoiriens, il faut que les Ivoiriens se comportent un peu comme les Japonais, comme les Chinois. Qu'ils aient conscience, comme Christophe, comme le roi Christophe, avec la population haïtienne à l'époque, que nous sommes à une ère de sacrifice. Il y a des sacrifices à consentir. Mais figurez-vous, aujourd'hui, quand vous annulez l'électricité, c'est possible, hein? Je ne sais pas que je suis contre. Mais il faut qu'on s'enlève le complexe de la gratuité. La gratuité n'aide pas. Prenez pas seulement la classe, la très basse classe. Prenez par exemple un jeune qui a un salaire de 150 000 francs, qui a une facture d'électricité de 15 000 francs qui est annulée. Les 15 000 francs vont lui servir à quoi? Aller au maquis? Donc on lui permet de ne pas consentir du sacrifice pour l'État. Et il va s'exposer avec les 15 000 francs pour s'adonner à des pratiques. Je pense qu'il faut aujourd'hui plutôt travailler sur les mentalités. L'année 2000 à 2010, l'Ivoirien n'avait pas de problème. Vous savez pourquoi? Non. Il pensait ne pas avoir de problème. L'argent coulait à flot. Les maquis étaient bondés. Les filles des joies partout. L'Ivoirien, du moins une classe d'Ivoirien, ne vivait pas avec son salaire. C'était des détournements du déni public. L'argent ne travaillait pas. Il circulait. Alors même qu'il y avait beaucoup de choses à faire. En lieu et place de la gratuité, je pense plutôt qu'il faut organiser la société ivoirienne de telle sorte que le fruit de la croissance puisse servir à chacun. De telle sorte que nous ayons de plus en plus un État moins corrompu, qu'on puisse mettre les corrupteurs et les corrompus devant leur responsabilité judiciaire et qu'on puisse faire attention à la chose publique. Vous savez, tout ne doit pas se gérer en politique. Je pense que le président a donné le ton. J'étais également dans ce dossier sur le litige, le contentieux pénal qui intéressait l'ex-premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori-Soro. Mais j'ai été scandalisé de savoir que les Ivoiriens ne soient pas scandalisés par le détournement par un seul individu de plus d'un milliard de francs CFA, l'argent du contribuable. Et cette somme qui a été utilisée pour sa jouissance personnelle, une grosse maison pour lui, rien que pour lui, au détriment des sacrifices qui sont consentis par le peuple de Côte d'Ivoire. Mais s'il y a la Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas choqués par un tel fait, mais pourquoi voudriez-vous effectivement qu'on puisse
ne pas permettre à certains de nos concitoyens d'avoir de l'électricité, d'avoir de l'eau. Parce que la gratuité ne va pas servir. Il faut que les Ivoiriens comprennent que la chose publique est sacrée. Mais pouvez-vous imaginer en Chine ou au Japon un citoyen détourné 1 million de francs CFA? Non, c'est impossible. Impossible. Vraiment impossible. Voici la réalité. Mais tout est politique. On y voit même. Le politique ne commet pas de faits criminels parce qu'il est politique. Parce qu'il est politique, il doit échapper à la justice. Mais ça, par contre, moi, je suis contre. Maître, nous allons boucler cette première partie, la première partie de cette émission consacrée à l'intérêt général. Et pour présenter à tous les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette Côte d'Ivoire que certains ne connaissent pas, Maître disait tantôt, l'époque où Fouette-Boigny, de mémoire, je n'ai jamais vu cette lagune que je vous présente en ce moment. Je ne l'ai jamais vue aussi propre, je ne l'ai jamais vue sans algues, ce qu'on appelle des salades, de la salade de mer ou de lagune. Mais je vous permets de regarder, ce qui peut paraître anodin, regardez cette belle lagune qui est en train d'être transformée et qui va offrir comme ça au peuple de Côte d'Ivoire presque un univers comme on a l'habitude d'aller voir à Dubaï, à Cannes, un peu partout. Ça aussi, c'est des choses marquantes qui peuvent paraître un tout petit peu insignifiantes, mais qui ont leur pesant d'or. Et c'est avec ces belles images de la lagune, si vous êtes à Abidjan, le boulevard lagunaire en plein cœur du plateau, il y a peut-être quelques barrages qui ne vous permettent pas de voir ça, mais nous, de là où nous sommes installés, nous avons cette très belle vue et jamais on a vu cette lagune aussi propre. C'est du travail, un travail fort. Et ce que vous voyez de l'autre côté, ce sera le futur pont qui va relier le plateau à Cocody. Nous venons maintenant, Maître, on revient à vous, pour boucler cette première articulation. Mais là, nous allons vraiment vous dire que nous avons été bluffés. Toute mon équipe et moi, on a fait une petite visite dans cette ville de Cali. On a voulu en savoir un peu plus sur vous et quelque chose nous a paru véritablement excitant, mais humainement, ça fait couler presque une larme à notre directrice de production, c'était de savoir comment, d'un, vous avez dans cette ville trouvé, qui est la vôtre, c'est sûr, une école sur des branchages, comme d'ailleurs je demande aux téléspectateurs de regarder cette école. Regardez ces images. Voilà une école, nous sommes en Côte d'Ivoire. Une école où, dès qu'il se met à pleuvoir, les enfants de l'eau, complètement, ils sont mouillés. Et cette école que je vous présente en ce moment, je ne dirais même pas un taudis, je ne dirais pas des huttes, je dirais tout simplement avec des branches séchées et du plastique qui faisait semblant de mur. Et Maître, vous êtes arrivé et apparemment, ce qui nous a été répété, peut-être indiscrètement, je ne vous dirai pas par qui, vous avez rebâti une école en dur, comme je vous permets de voir. Regardez ce qu'est devenue cette école aujourd'hui, en dur, avec des beaux murs, des super bancs d'école, mais mettre sous vos fonds propres. Pourquoi? Comment ça s'est fait? Très bien. Vous savez, je dis toujours, il faut vivre utile. Chaque fois que je me rends dans ma circonscription, si ça tombe sur un jour ouvré, la première chose que je fais, c'est de choisir une école pour m'adresser aux enfants. Et quand j'étais encore à l'école primaire, au CM2, après l'entrée en 6e, parce que je suis orphelin de mère depuis... lorsque j'ai eu l'entrée en 6e, j'ai perdu ma mère, c'est une image qui m'a marqué. Alors, je me suis mis à écrire. Il y a un texte qui m'a toujours accompagné, c'est l'effort. Ici, on ne considère l'homme non pas d'après ses origines, mais d'après son travail. Tes parents ont beau être de puissants seigneurs. Si tu ne fais pas tes devoirs, tu n'échapperas pas à la bastonnade ou à la médisance. Ce sont les valeurs personnelles qu'on considère. Vois-tu, si le fils du dernier paysan se distingue par son effort, il te dépassera.
tu deviendras son serviteur. Apprends, étudie, lis, prive-toi de sommeil, ne te soucie pas de ton corps. Habitue-toi aux difficultés de la vie, comme un bon prêtre ou un bon soldat néglige le confort. Ce texte m'a toujours accompagné. Cette école que vous voyez, c'est un groupe scolaire de 4 écoles. C'est la dernière école, faute des moyens, qui s'est retrouvée effectivement dans ce que vous avez vu. Après mon élection en 2016, je me suis rendu dans cette école où j'ai fait les classes de CP1, CP2 et CE1. Parce que j'étais aux côtés de mon grand-père. À l'époque, on nous envoyait effectivement apprendre à lire le Coran, apprendre effectivement à prier, comme je suis musulman. Et c'est à cette occasion que mon grand-père, le père à mon père, le père à ma mère, a bien voulu m'inscrire dans cette école, dans l'une de ces écoles. C'était une seule école en ce moment, maintenant c'est un groupe scolaire. J'ai vu que la capacité d'accueil de l'école est inférieure au nombre d'élèves. J'ai noté que cette école de fortune avait été créée pour ne pas que certains enfants restent à la maison. Ce jour-là, et il y a des images que j'ai retrouvées effectivement sur le net, vous allez voir que dans cette image, je suis assis dans cette classe, dans l'une de ces classes, je suis en képi. Alors, ce jour-là, j'ai coulé des larmes. Je suis allé à l'école au temps du feu de Boignier, dans une classe en dur. Et aujourd'hui, du fait de tout ce que la Côte d'Ivoire a connu comme crise, voici l'école où j'ai fréquenté, qui est maintenant un groupe scolaire, qui se retrouve effectivement à Lambeau de telle manière. C'est ce que j'ai décidé de renoncer à mes indemnités de député. J'ai réuni les jeunes de Kani. Je leur ai demandé d'accepter que la jeunesse elle-même s'approprie cette initiative. C'est vrai que je n'ai pas eu l'accompagnement que j'espérais, mais cela ne m'a pas découragé. J'ai décidé effectivement de renoncer à mes indemnités de député et donc de bâtir l'école. Donc depuis 2016, je ne suis pas indemnisé. Cette indemnité me sert à donner du sourire à des jeunes. L'école est terminée. Aujourd'hui, je suis en train de confectionner les bancs. Je n'ai pas voulu m'adresser à aucune autorité. J'ai voulu demander l'aide à personne. J'ai voulu satisfaire à une obligation de reconnaissance. Parce que le stade que j'ai atteint, qui n'est pas un trop grand stade, mais me permet de me souvenir que j'ai un devoir. Kani m'a tout donné à travers la bénédiction de mes parents. Et vous avez donné à Kani? À mon tour, de lui être reconnaissant. On se retrouve juste après la réclame pour aborder la deuxième articulation de cette émission. A tout à l'heure. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de politique. Et la première question de cette articulation, de cette rubrique politique, c'est d'éclairer tous les jeunes qui nous regardent, parce que je suis très poussé avec tout mon périple, je connais à peu près toute l'Afrique, francophone, anglophone, lusophone. Et je vois un tout petit peu l'évolution, et cette phrase de Félix Houphouët-Boigny, assis à côté du président François Mitterrand et du président Mobutu de l'époque Zaïre, et qui disait que les jeunes Africains, dans 40 ans, auront évolué. 40 ans, c'est rien pour un peuple. Et le président Félix Houphouët-Boigny disait que si d'aventure les jeunes Africains se révoltaient face aux jeunes Européens, que deviendrait l'Europe sans le travail? Parce que l'Afrique est un gisement. Tous les pays africains de minerais, de ressources énormes. Et cette question me paraît évidente dans la mesure où je crois que les jeunes Africains n'ont toujours pas l'explication exacte des mots, soit qu'on utilise, ou soit qu'ils sont utilisés par nos gouvernants, ou surtout par des juristes. Et avant d'aborder cet aspect politique, il était important, maître, peut-être en quelques mots très rapidement, puisque nous avons beaucoup de choses
à voir et nous avons beaucoup d'éléments à discuter dans ce programme, que vous nous expliquiez, surtout aux jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que c'est qu'une constitution pour un pays? Tout le monde parle de constitution, elle est bradée à gauche, elle est bradée à droite, mais le juriste que vous êtes doit expliquer à la jeunesse, une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que c'est qu'une constitution? Très bien. C'est vrai, c'est aujourd'hui un mot qui est galvaudé. Et galvaudé. Mais c'est simple. Je pense que la constitution, ce qu'il faut savoir, c'est que la constitution, c'est, pour schématiser, le sous-passement. Ça dit les fondations de l'État. Oui. Très bien. On s'arrête là, on a compris. Fondation. Quand vous construisez une maison, il faut faire des fondations. S'il n'y a pas de fondation, la maison s'écroule. Donc, c'est vraiment la fondation d'une maison. Alors, parlons de la constitution de Côte d'Ivoire. Pourquoi, selon vous, cette constitution votée en 2016, par consensus, il est important de le dire, fait-elle 4 ans plus tard autant de bruit? Attends. La constitution n'a aucun problème. La constitution n'a pas changé. C'est les mêmes textes, les mêmes articles, à une différence près, parce qu'il y a eu une révision récemment. C'est l'Ivoirien, du moins certains acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, qui sont incohérents et inconséquents. Parce que la lecture qu'ils ont de la Constitution varie en fonction de leur intérêt, de leur... C'est pour cela que je vous dis, je vous parle de crise de modèle. Mais voici des individus, des personnes, de grands responsables qui ont assuré la gestion de l'État à un certain niveau des responsabilités, à l'homme qui doivent incarner des modèles pour cette jeunesse, ont des propos le matin, ont d'autres propos le soir. Les mêmes personnes qui indique, et j'ai mis un pied dans le débat, ces personnes ont même indiqué, au moment de l'élaboration de cette constitution, que sa votation pourrait permettre à l'actuel chef de l'État de se présenter. Ces mêmes personnes. Moins de cinq ans après, ces mêmes personnes estiment, non, ça a été voté. Mais en dépit de cela, ils ne peuvent pas être candidats. Je me demande si tout le monde est médecin, comme tout le monde n'est pas magistrat, tout le monde n'est pas juriste, c'est une science. Et quand je note aussi que même de grands intellectuels, par rapport à leurs intérêts politiques, ça donne au même jeu. J'ai du respect pour un homme politique guinéen, Céline Diallo, qui avait indiqué en son temps, au moment du changement de constitution en Guinée, il est resté cohérent. Il a dit que cette constitution ne doit pas être changée, parce qu'elle pourrait permettre au président guinéen de faire acte de candidature. Le peuple guinéen ne l'a pas suivi. La constitution a été votée. Et aujourd'hui, il essaie d'affronter le président dans les urnes. Il n'a pas contesté la candidature du président. Parce qu'il savait... Il est cohérent. Ouais, il est cohérent. Le politique ivoirien doit faire l'effort de s'acquitter d'une obligation fondamentale. C'est s'acquitter, satisfaire à une obligation de cohérence et de conséquences. Par contre, maître, je me pose la question, et toutes mes équipes avec, depuis qu'elles sont arrivées, moi je suis à Abidjan depuis bon bout de temps, mais depuis que mes équipes sont là, la question qui les taraude dans la tête, c'est, avec toute cette tension, croyez-vous véritablement, droit dans les yeux, qu'on ira aux élections le 31 octobre 2020? Mais c'est même pas parce que je le veux, c'est une exigence constitutionnelle. Alors, comment n'arrivons-nous pas à expliquer, c'est-à-dire vous, les juristes, tout le monde, les intellectuels, que nous rentrons de plein fouet dans la Troisième République
et que là, ce sera le futur président de la Troisième République. Pourquoi cet aspect est toujours un tout petit peu occulté? Vous savez, le plus grand des incultes, c'est celui qui sait, mais qui fait exprès de ne pas savoir. Maître Meïté, Maître Abdoulaye Ben Meïté, alors que pensez-vous de la Côte d'Ivoire de nos jours, vous qui êtes non seulement avocat au barreau ivoirien, mais aussi en politique, puisque vous êtes député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Alors, moi je pense que la Côte d'Ivoire a fait un grand bond depuis l'avènement du président Alassane Ouattara. D'abord, dans ses rapports avec l'extérieur, la Côte d'Ivoire est respectée. Je me rappelle, avant 2010, je suis allé au Ghana, je suis allé au Burkina, au Mali. Vous savez, bon, avec tout le respect que je dois au peuple ghanéen, à l'époque, quand on taxait quelqu'un de ghanéen, c'était... Surtout la gente féminine. Oui, justement, vous savez ce que je veux dire. En fait, c'était le synonyme de prostitution. Exactement. Mais avant 2010, c'était les Ivoiriens dans ces pays que l'Ivoirien même ne prenne pas plaisir à fréquenter. Vous retrouviez des Ivoiriens de tous horizons. Ça donnait à ce vieux métier. Aujourd'hui, vous notez le retour des exilés, des personnes qui sont exilées volontairement ou involontairement, rentrer au pays, venir découvrir ce qui est fait, et je pense que le pays donne l'espoir. Le travail que fait le président de la République, on dit que l'argent ne circule pas, mais l'argent ne doit pas circuler. L'argent doit travailler. Et aujourd'hui, ce travail est en train de produire ses fruits, croissance macroéconomique, infrastructure, circulation des denrées et le coût de la vie, pour moi, est réduit. Pourquoi? Parce qu'on trouve tout. Je viens de Kani. J'ai noté que de Daloa à Abidjan, vous avez aujourd'hui 3 heures de temps. Alors qu'à l'époque, c'était combien? Au moins 5 heures. Donc 2 heures de gagner. 2 heures de gagner, c'est des vies sécurisées. C'est une lutte contre la famine. Parce que tous nos produits, effectivement, de consommation viennent d'où? De ces zones. Tous les marchés sont alimentés parce qu'il y a des infrastructures, les circonstances sont favorables, effectivement, aux populations à cet égard. Je pense que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, se porte bien, mais pourrait se porter mieux avec la volonté de ces acteurs politiques, de ces autres acteurs politiques qui doivent abandonner effectivement le principe où c'est moi, où c'est personne. Les jeunes qui nous regardent et qui nous regardent tous, ils sont heureux de vous entendre, surtout qu'ils s'identifient à vous, ça je peux vous le dire sincèrement. Ils aimeraient bien savoir quels avantages pour leur avenir. Et surtout, à quoi peuvent-ils espérer de la politique du RHDP comparativement aux autres partis? Parce que je présume, en vous entendant, vous êtes du RHDP quand même. Oui. Très bien. Alors les jeunes veulent savoir, que peuvent-ils espérer de la politique pratiquée par le RHDP? Moi, je pense qu'ils peuvent tout espérer du RHDP. Mais avant, nous allons les écouter. Nous avons traîné la caméra de Moïse, comme ça, dans les rues d'Abidjan. C'est vrai, on ira à l'intérieur bientôt pour essayer d'avoir quelques jeunes qui vont un peu faire des revendications. Ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aimeraient avoir, désormais, à travers ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. On les regarde. À chaque élection, il y a eu toujours des tensions. Mais Dieu nous a gardés. On a pu faire des élections. Je pense que cette année encore, ce sera la même chose. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire d'être serein, de prier. Et puis les élections vont se passer tranquillement. Nous avons besoin de la paix. Et les candidats, moi, ils demandent à tous les candidats de venir présenter leur projet de société à la population. Et d'aller, laissons ces bruits-là. On n'a pas besoin de ça. Que c'est seulement pour la paix que nous tous, on laisse le passé. Oublions le passé et allons à l'essentiel. Ben, si chacun doit regarder le passé,
vraiment, ça ne sera pas possible. Donc, la structure qui est passée, et allons. Nous sommes un dans un bon pays. Vraiment, nous oublions tout ce qui est passé. Allons-y à la paix. Nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Ne détruisons pas ce que nous avons construit durant des années, avec tous les efforts de chacun et de chacun. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est ce que nous devons retenir d'abord. En tant que citoyen ivoirien, j'attends de Sénégal au moins des programmes qui pourront satisfaire la jeunesse. Bien vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais vraiment des programmes qui pourront au moins apaiser un tant soit peu le chômage en particulier. Vraiment, c'est aussi ce que moi j'attends particulièrement de, celui qui va au soir du 31 qui sera président. Voilà. Et puis aussi le côté aussi de la santé. Alors vous avez écouté ces jeunes. Quel est votre point de vue? Tous espèrent le meilleur, le bonheur. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je pense qu'ils n'ont pas tort d'espérer du RHDP une nouvelle pensée pour la Côte d'Ivoire, une nouvelle manière de concevoir les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire avec. Pourquoi? Le RHDP, c'est la devise de la Côte d'Ivoire. C'est l'union. Pourquoi? Vous savez qu'en 2015, lorsque le RHDP était mis en place, c'était un groupement de partis politiques. Donc il y a une volonté d'unir des personnes qui se retrouvent en un être extraordinaire qu'est le président Oufouet Boigné. Donc c'est l'union, c'est une volonté d'union. Avec l'évolution, ce groupement de partis politiques est devenu un parti politique en 2018. Tout à fait. Voilà. C'est la discipline. Vous savez, avec tout ce, ce à quoi on a assisté dernièrement, vous avez noté effectivement que les jeunes, notamment du RHDP, sont disciplinés. Tout à fait. Sinon, ils auraient pu donner une réplique à tout ce qu'ils racontaient, avec toutes les attaques auxquelles on a assisté, tout ça, Benoît, Divo et consorts. Vous avez dû noter qu'alors que ces jeunes se déplaçaient pour l'investiture du président de la République, les cars étaient attaqués, des camions brûlés. Mais les militants du parti ont écouté leur leader. Pas de réaction. Donc c'est la discipline. Mais je ne vous parlerai pas de travail. Tout à fait. Parce que le RHDP, c'est le travail. Le président de la République a maintenant, je crois, 78 ans. Et il travaille 14 heures par jour. Sans répit. Et aujourd'hui, on lui demande l'ultime sacrifice pour la Côte d'Ivoire. Alors, parlons-en des œuvres du président Alassane Ouattara. Certains se demandent, à tort ou à raison, qu'a-t-il fait? Que leur répondez-vous, vous qui êtes plus ou moins, on peut le dire, un proche collaborateur, tant avocat du gouvernement ivoirien, on peut se dire que vous avez une vision exacte de ce type de propos. On l'entend, il y a certains qui disent, mais qu'a-t-il vraiment fait, même si... pour nous, au fond de nous, nous avons l'impression qu'ils sont plus ou moins un peu aveugles ou borgnes. Mais que leur répondez-vous? Alors, pour savoir ce qu'a fait le président de la République, il faut revenir en 2011. 2011, c'était des corps qui jonchaient les rues de la Côte d'Ivoire. 2011 jusqu'en 2015, c'était des armes enfouies un peu partout. Et même des explosifs, un peu partout. 2011, c'était des personnes en tenue dont on ne savait pas l'origine. 2010-2011, c'était la Côte d'Ivoire détruite, aucune infrastructure opérationnelle. Mais aujourd'hui, Consti, nous sommes assis ici, je pense que la vue est très belle. Tout à fait. Vous conviendrez avec moi qu'il y a en 10 ans, le président Ouattara, avec tout le respect que je dois à notre référent politique, à tous, en 10 ans, il a fait pour la Côte d'Ivoire ce qui n'a pas été fait en 60 ans. Alors, vous le dites, maître, mais quelque chose un tout petit peu, et comme dirais-je, l'ivoirien lambda vient mettre un tout petit peu du sable dans la tchéquée, pour parler de notre mets favori en Côte d'Ivoire. Toutes ces alliances autour du président,
tout ce qu'il a fait comme alliance et qu'on se rende compte aujourd'hui que ses amis, ses anciens amis, lèvent le ton de manière véhémente, qu'est-ce qui cloche ou a cloché pour en arriver à ce type de position? Et vous savez, alors, je ne suis pas dans le cercle du président pour Et surtout, maître, pour le dire, des types de positions qui ne laissent pas du tout une ouverture, peut-être au dialogue, mais qui sont vraiment des types de positions de non-retour. Ah oui, mais c'est le jeu politique. L'amitié se construit et se brise. Et c'est ce que vous dites aux jeunes, c'est la réponse ? Non, la vision. Non, je pense que c'est une observation sur l'environnement. Tout à fait, général. La vision politique peut se partager et se départager. Mais ce qu'il faut savoir, le président de la République est en train de nous éduquer à oublier notre propre personne au bénéfice de l'intérêt général. Je vous donne un exemple. Celui qui avait le plus compris, lu, étudié, appris du président Ouattara, c'était bel et bien le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vous n'avez jamais entendu parler du premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'un scandale financier. Jamais. Il vivait en toute sobriété, dans la confiance aveugle, exclusive au président de la République. Et il connaissait, il avait intégré et partagé la vision du président de la République. Mais vous avez des personnes qui sont proches de vous, qui restent comme des serpents, tapis dans l'ombre. Et ils n'ont de volonté que leurs propres intérêts. Mais je pense que le temps finit effectivement pour avoir raison de ces personnes-là. Et que seriez-vous appelé, par exemple, à donner comme suggestion, je ne dirais pas conseil, mais suggestion au présent de tirer de tout ce qui se passe aujourd'hui, de tout ce qui cloche, de voir un tout petit peu ces alliances s'envoler comme ça, tous ces amis qui partent? Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, si vous arrivez à donner un conseil au président, que lui diriez-vous? De garder le cap. Garder le cap. Garder le cap. Il faut garder le cap. Parce que nous sommes sur la bonne trajectoire. Les mauvaises herbes, les mauvais soldats, les mauvais pions partiront d'eux-mêmes. Alors, le bilan du président Alassane Ouattara est flatteur. Ayant fait ses preuves avec certains cadres, n'est-il pas opportun, voire même d'ailleurs, je dirais, nécessaire que le renouvellement se fasse avec des nouveaux visages afin de continuer à pérenniser la machine RHDP, pour parler de ce parti politique qui est le vôtre? Parce que l'on constate des frustrations naissantes avec ce non-renouvellement qui donne l'impression aux autres cadres, et qui sont brillants et jeunes, d'accompagner l'appareil sans y prendre part réellement. Votre point de vue là-dessus? Moi, je pense que le président, il en a conscience. Et vous savez, ce monsieur, peut-être que je n'ai pas le même regard. Moi, j'ai un regard, un tel regard positif de cet homme d'exception, qui ne se trompe jamais. Le président Ouattara... Peut-être, enfin, qui se trompe rarement. Non, moi, je préfère jamais. D'un point de vue général, ces choix sont des choix mesurés, étudiés, réfléchis. Il ne se précipite jamais. Je suis persuadé que le président de la République a un plan pour le parti. Je suis persuadé que nous retrouverons ce parti à la dimension du président Ouattara, alors premier ministre. Et j'appelle ce moment de tous mes voeux. Je voudrais que tous les responsables du parti s'inscrivent résolument dans la philosophie, dans la pensée, dans la réflexion, dans l'objectif du président de la République. Mais je ne désespère pas. Ça viendra. Vous parlez si bien de toutes les œuvres réussies qui amènent la Côte d'Ivoire dans le modernisme. Et ces œuvres qui portent un nom, le président Alassane Ouattara. Maître, regardez les Ivoiriens, regardez le monde entier à travers cette caméra. Dites-nous, maître, que pensez-vous sincèrement du président Ouattara? Ah, sincèrement, je vais vous dire, sans faux fuir. Mais en deux mots. En deux mots.
extraordinaire. Le président Alassane Ouattara est extraordinaire. Il a tout donné à la Côte d'Ivoire, même sa mère. Et pour moi, c'est le plus grand sacrifice qu'un homme puisse faire. Nous allons quitter le volet politique. Nous allons aborder le volet réussite. Alors, Maître Abdoulaye Ben Meïté, vous êtes notre invité, merci. Comme ça, dans cette émission, on ne peut pas plaire à tout le monde. Est-ce que vous vous rappelez de votre première défense au tribunal? Racontez-la nous. Ah oui. Alors, j'étais avocat stagiaire au cabinet du maître Bédé Kwame Lombert. J'ai été prendre un référé le lendemain de ma prestation de serment. Je me suis retrouvé avec un adversaire costaud, qui a été mon professeur de droit d'une matière à l'université d'Abidjan. Et quand on est rentré devant le juge, il m'a regardé. Il a fini d'exposer. C'était sur une saisie, donc une saisie de créances. Moi, j'étais en contestation donc, de la saisie. Et il a dit que... Il m'a regardé quand je lui ai apporté la réplique. Il me dit au juge, mais écoutez, le jeune confrère... Je comprends, c'est vrai qu'il n'épouse seulement que la lettre de la loi, mais non l'esprit. Pensant me désarçonner, j'ai regardé le juge. Je lui ai dit de lui rappeler que nous avons une obligation de respect d'un principe majeur dans notre profession, c'est le principe de la confraternité. Tout à fait. Et j'ai tenu à ce que le juge lui rappelle qu'il avait un seul rabat, et moi aussi, et qu'il n'avait pas le droit de placer des propos diminutifs, de sorte effectivement à créer un complexe son confrère, ce qu'il ne peut pas faire. Ce qu'on lui demandait plutôt, c'était d'argumenter en droit, en ce que la saisie qu'il avait pratiquée était manifestement nulle. Et le juge m'a suivi. Donc depuis ce jour, quand il me voyait, c'était plus jeune confrère, c'est comment tu vas confrère. Donc la meilleure manière de s'imposer au tribunal, parmi les loups, c'est d'être un loup. Soi-même. Soi-même. Votre biographie me laisse entrevoir que vous êtes sans l'ombre d'un doute, un expert en juridiction, déjà de par vos débuts, avec cette belle réussite. Est-ce qu'on peut avoir une autre dont vous êtes très fier? Une réussite dont vous êtes très fier? Ah oui, c'est la dernière. Où j'ai été honoré d'être choisi par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour porter sa cause devant le Conseil constitutionnel, récemment, à la faveur du contentieux électoral. Et c'est justement à cette occasion que j'avais, donc dans le cadre de mes répliques, j'avais posé l'éligibilité, le problème de l'éligibilité même du président Bédié. J'avais estimé que il ne pouvait pas contester, comme les autres d'ailleurs, il ne pouvait pas contester la candidature du président Ouattara sans qu'il puisse préalablement justifier, sans justifier préalablement de leur propre éligibilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que le plus grand hommage qu'un juge peut rendre à un avocat, un juge de cette dimension, le Conseil constitutionnel, la juridiction constitutionnelle peut rendre comme hommage à un avocat, c'est de porter, s'approprier ses moyens. Donc en lisant l'arrêt du Conseil constitutionnel, j'ai vu ma plume. Et c'est pour moi la plus grande réussite. D'avoir pour client cet illustre client, comme je le dis toujours, monsieur, parce que pour moi cette fois c'est plus le président de la République, quand c'est mon client, c'est monsieur Alassane Ouattara. J'ai eu l'honneur de l'appeler au moins une fois, monsieur Alassane Ouattara. Il a répondu avec toute modestie. Voilà. Alors maître Abdoulaye Ben Meïté, tous les pays d'Afrique, tous d'ailleurs, se battent pour l'émergence. La Côte d'Ivoire est-elle, selon vous, sur la très bonne voie? La très, très bonne voie. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des critères pour l'émergence. Des critères de sécurité, de compétitivité économique, de quiétude sociale, de lutte contre la pauvreté. Je pense qu'aujourd'hui,
quand vous regardez la trajectoire de la Côte d'Ivoire, depuis 2011 jusqu'à ce jour, je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas très loin de l'émergence. Alors, l'État s'est engagé à moderniser le fonctionnement de l'administration, miser sur l'agro-industrie pour transformer l'économie ivoirienne, développer des services de qualité pour le bien-être des populations, ce qui est par moments à tort décrié par certains, et créer plus d'emplois pour les jeunes. Amplifier les forces de défense, de sécurité en les dotant des moyens d'une vigilance sécuritaire adaptée aux menaces de tout genre. Maître, l'État a-t-il réussi sur ces points précis ? Oh, vous savez, la réussite dépend des circonstances qui l'entourent. Quand vous regardez ce qui est fait, je pense que nous sommes sur la bonne voie. C'est un processus, et je pense que le processus est très bien enclenché. Aujourd'hui, vous avez des unités industrielles qui sont en train de naître. Et vous savez, il y a combien de sociétés de ciment en Côte d'Ivoire ? Il n'y avait que la Socimat à l'époque. Aujourd'hui, vous avez au moins 4 cimenteries. À moins de 9 ans. Et vous avez regardé la zone industrielle de Yopougon, qui s'étend sur l'autoroute. Ça, c'est des choses simples à faire. Avant, il fallait que les camions viennent jusqu'au port, faire ce qu'ils avaient à faire, créer l'embouteillage. On parle de la création de ports secs. Mais c'est du génie, ce monsieur. C'est un génie. Il faut l'encourager. Il faut que les Ivoiriens puissent taire leurs égaux et donner à César ce qui lui appartient. Et que croyez-vous avoir été le secret de toutes ces réussites dont vous citez et dont certains avertis regardent et apprécient ? Que croyez-vous avoir été les réussites du président Alassane Ouattara, insufflé à son gouvernement ? Qu'il faut le reconnaître, transformer la Côte d'Ivoire en un temps record, c'est clair, parce que quand on présente par exemple la Côte d'Ivoire, comme vous regardez en ce moment, certains aspects, les infrastructures, et surtout cette réussite de ramener aux populations des zones rurales de l'eau, presque à portée de main, et pour paraphraser le Premier ministre qui disait que le président Alassane Ouattara avait fait plus que ceux qui, avant lui au pouvoir, n'avaient fait dans leur propre région. Alors, toute cette réussite force l'admiration de la communauté internationale pour le bonheur des générations d'Ivoiriens. Est-ce que vous vous sentez vraiment proche aujourd'hui de tout cela par rapport au gouvernement précédent ? Au gouvernement précédent, soyez plus explicite, au gouvernement précédent du président Alassane Ouattara. Après, celui du président Houphouët-Boigny. Ah oui, je pense que oui, bien sûr. Après Houphouët-Boigny, on n'a jamais eu un gouvernement qui a fait ce qu'a fait le président Ouattara. Aucun ne peut effectivement prétendre avoir fait plus que lui. Aucun. Mais vous savez, l'éducation d'un peuple, la conduite d'un peuple n'est pas la conduite d'un homme. Tout comme l'éducation d'un peuple n'est pas l'éducation d'un homme. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que vous avez un individu. Et là, vous avez plusieurs individus. Avec plusieurs sensibilités. Plusieurs raisons. Comment vous pouvez imaginer qu'après avoir fait des infrastructures routières à Yopougon, que nuitamment des jeunes s'arrogent de trois de prendre des pioches, aller casser ce qui est construit ? Mais c'est des Ivoiriens. Ceux-là aussi, il faut les convaincre. On vient de très loin. Je pense que le président a été très patient, très tolérant, très compréhensif, mais très pédagogue. Alors, la loi d'amnistie, maître, initiée par le président Alassane Ouattara, quels ont été les effets bénéfiques, selon vous, pour la paix en Côte d'Ivoire ? Alors, pour moi, cette loi d'amnistie a été quelque chose de bien. Personnellement, c'est le juriste qui parle, c'est l'homme de loi. Au début, je ne sentais pas. C'est l'avocat qui parle. Oui, ça c'est l'avocat qui parle. Au début, je n'étais pas pour. Jusqu'à ce qu'on m'en explique effectivement la portée, la nécessité. Parce que ce que je craignais justement, c'est ce qui est en train d'arriver. Une dame comme Simone Gbagbo a été amnistiée. En dépit de tout ce qui a été fait, en dépit de ce que des victimes sont encore là, elle est amnistiée. Mais vous l'avez écouté récemment. Parce qu'il ne faudrait pas que l'amnistie
puisse être considéré comme un blanc-seing. Je pense que pour amnistier quelqu'un, il faut que la personne démontre un regret profond, une volonté de s'amender. Mais ça, on ne sent pas ça. Tout compte fait, le président de la République a son calendrier. Il voulait donner une seconde chance à certains de nos concitoyens. Je pense qu'il leur appartient de la saisir. Alors, l'ancien président Bédier, qui aujourd'hui, pour certains, un opposant farouche au président Alassane Ouattara, alors qu'il qualifiait en mondovision le président Alassane Ouattara de bâtisseur infatigable. Nous l'avons consigné, c'est vrai que ça circule sur Internet, tout le monde le sait, tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a regardé. Nous avons consigné dans un module baptisé « L'histoire retiendra ». On regarde le président Henri Conan Bédier, président du PDCI-RDA. Excellences, Monsieur le Président de la République et Madame, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand jour, un jour de joie pour moi, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire, de voir se réaliser cette œuvre de grande envergure qui porte mon nom par la volonté du chef de l'État, mon jeune frère, le président Alassane Ouattara. L'œuvre est immense et belle, prévue dans le cadre des chantiers de l'éléphant d'Afrique. Le troisième pont d'Abidjan que nous inaugurons aujourd'hui est destiné à désengorger la ville d'Abidjan, dont la circulation devenait de plus en plus difficile. Je veux donc remercier en tout premier lieu Monsieur le Président Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable, nouveau développeur de ce beau pays, Alassane Ouattara, d'avoir pérennisé mon nom en l'inscrivant à jamais sur la stèle de ce magnifique pont. À vrai dire, je suis simplement ému et reconnaissant à lui et à tout son gouvernement pour avoir repris ce projet et l'avoir réalisé. Je veux remercier ensuite les artisans de cette magnifique infrastructure qui change la physionomie de la ville d'Abidjan et qui est destinée à rendre de très grands services à la population ivoirienne dans son ensemble et celle des quartiers de Cocody, de la Riviera et de la commune de Bergerville en particulier. J'invite tous les Ivoiriens à préserver cette belle œuvre et à se l'approprier pour toujours et l'éternité. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les invités, merci pour la joie et la fraternité que vous nous procurez ce jour, et merci aussi de m'avoir accordé ces quelques instants d'attention. Merci à tous. Merci pour tout. Enfin, en post-scriptum, comme dans une missive jetée à la poste
et à la postérité et pour les mots de la fin de cette allocution. Je propose ceci que j'ai écrit. Cet ouvrage révolutionnaire vaut à lui seul deux mandats présidentiels pour son grand réalisateur. Alors, quand vous écoutez le président Henri Conan-Bédier faire cette très belle décoration, belle déclaration aux yeux du monde, qu'est-ce que ça vous fait, votre commentaire ? Ça me fait sourire. Ça vous fait sourire. Et à la réplique, le président Alassane Ouattara, lui aussi, est monté sur la même tribune et a fait aussi une déclaration sublime à l'égard du président Henri Conan-Bédier. On se le regarde. Nous voulons rendre hommage à un homme qui a démontré au cours de sa longue et riche carrière professionnelle et politique un sens élevé du service public et de l'État et son attachement à la nation ivoirienne. Monsieur le Président Henri Conan-Bédier, cher aîné, vous êtes un homme d'État. Oui, vous êtes un homme de confiance. Vous êtes un homme d'engagement. Vous êtes un homme de parole. Vous êtes un modèle pour toutes les générations et notamment pour les jeunes. Je suis particulièrement heureux et fier de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de contribuer à la reconnaissance que vous doit la nation ivoirienne. Cette inauguration me donne ainsi l'occasion de vous remercier à nouveau pour votre contribution au retour de la paix dans notre pays. Oui, nous avons en souvenir les 4 mois et demi passés ensemble à l'hôtel du Golfe et nos chambres étaient côte à côte. Et vous êtes resté à nos côtés pendant toute cette période. Vous auriez pu vous délocaliser, mais vous avez refusé de le faire. Cher grand frère, merci à vous. Merci à ma sœur Henriette Bédier. La question, maître. On a regardé ces deux déclarations. Le président du PDC-RDRA, le président Henri Conan-Bédier, qui a, aux yeux du monde, montré une nouvelle Côte d'Ivoire. On a regardé le jeune frère, son jeune frère, comme il appelle affectueusement, le président Alassane Ouattara, lui a envoyé une réplique aux yeux du monde. Cette période qui fut enviée par tous les Africains, surtout de voir un ancien chef d'État et son jeune frère, dans cette ambiance cordiale. Maître, pourquoi et comment toute cette alliance, cette belle image que la Côte d'Ivoire a envoyée aux yeux du monde a-t-elle volé en éclats ? L'ambition. L'égoïsme ambitieux. Vous savez, l'égoïsme ambitieux est une maladie. Dites-moi, le président Ouattara a appelé toute la classe politique à un renouvellement de la classe politique. Aux yeux de tous, il a dit, il faut renouveler, il faut une nouvelle génération. Allons-y, Gbagbo, Bédier et moi-même, retirons-nous. Et il a donné l'exemple. Quand j'écoute la déclaration de Conan-Bédier, du président Henri Conan-Bédier, j'ai dit que ça me fait sourire. Par contre, quand j'écoute la déclaration du président Alassane Ouattara, je trouve beaucoup de sincérité. Il avait confiance en cette fraternité. Et il a rendu hommage à son bourreau d'hier en donnant son nom à un grand pont, le troisième pont. Mais comment vous pouvez imaginer un homme qui disait que ce seul pont à lui seul voit encore un mandat. Comment vous pouvez imaginer qu'après coup, la personne qui était devenue effectivement son chantre puisse tourner à 90 degrés. Je pense qu'il faut de la cohérence. Je vous ai dit que le plus grand problème de ces hommes politiques en Côte d'Ivoire,
c'est la trahison de leurs propres convictions. Est-ce que c'est le citoyen ivoirien qui parle ou alors le militant du RHDP? Non, c'est le citoyen cette fois-ci. C'est le citoyen. Qui s'indigne. Je voudrais avoir des modèles. Moi, c'est pas ce que vous avez qui m'intéresse, moi. Quand je vous regarde, Consti, je vois mon enfant, je vois des gens qui ont fait rêver, qui n'ont pas parlé d'argent, qui ont parlé de talent, qui ont donné de la chance à des jeunes, qui leur ont donné l'occasion, effectivement, de montrer leur talent. C'est ça que je regarde. Je voudrais qu'aujourd'hui, que le président Ali Konan Bédié soit un modèle. Un modèle pour la classe politique. Savoir que j'ai combattu, nous avons effectivement eu à un moment donné, Maya parti avec un frère dans le cadre politique. Aujourd'hui, on s'est retrouvés. Il allait incarner cette sagesse. Cette sagesse chère au président Foufou Boigny. Mais en lieu et place, au soir de sa vie, c'est en ce moment effectivement qu'il sort l'épée pour créer plus de mal au pays. Je pense que c'est une crise de modèle. Mais je pense que le président Ouattara est resté ce modèle. Avez-vous une fois entendu? Tout ce temps, le président Ouattara tenir un discours, des propos, nature à écorcher le président Bédié. Vous avez entendu le président Ouattara? Il est cohérent. C'est mon aîné. Et je pense que l'éducation qu'il a ne lui permet pas d'avoir des propos déplacés à l'égard, effectivement, de son aîné. Mais par contre, ce n'est pas le cas pour Bédié, qui ne rate aucune occasion. Et même pour revenir en arrière sur cette fameuse trouvaille, mais grotesque et déconcertante d'ivoirité. Mais le président Ouattara, quand il prend la parole, quand il s'agit pour lui effectivement de parler du président Bédié, il dit « J'invite mon grand frère à revenir en famille ». Et ça, c'est la marque des grands hommes. C'est avec cette expression de marque des grands hommes que nous allons aborder la dernière articulation de notre émission qui va s'achever dans quelques instants, juste après la réclame. Comment plaire? Alors comment plaire? Que croyez-vous qu'un politique ivoirien, puisqu'on est en Côte d'Ivoire, devrait faire pour plaire au peuple, sachant bien que l'on ne peut pas plaire à tout le monde? Très bien. Je pense que c'est d'abord vouloir plaire au peuple. Parce que pour plaire au peuple, il faut vouloir plaire au peuple. Et non vouloir plaire au souverain. La meilleure manière de plaire au souverain, c'est de plaire au peuple. Et la meilleure manière de plaire au peuple, c'est de respecter la loi. C'est d'être vrai. C'est d'être sincère avec soi-même, mais avec la mission que vous avez assurée. C'est d'être responsable. Le président Alassane Ouattara est le seul chef d'État à avoir effectué une visite d'État dans les 31 régions de Côte d'Ivoire. Peut-on affirmer qu'il s'est attiré les faveurs des populations à travers ces 31 régions qu'il a pu visiter et qui est un record, puisqu'on sait que le dernier était détenu par le président Foufou Boigny, qui lui n'en avait que fait 11 des chefs-lieux de ces régions? Alors, je pense même que ce n'est pas les visites qui ont donné une visibilité à l'action du président Ouattara. À travers ces visites, le président de la République a démontré que c'est un homme de parole. Il avait promis visiter toutes les régions de la Côte d'Ivoire, et il l'a fait. Et ces visites ont contribué, sauf à mettre en exergue, son attachement aux valeurs de cohésion et d'unité. En lieu et place d'un sectarisme ethnique ou ethniciste, il répond par la cohésion, par l'unité. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, et il prend des paris sur l'avenir au profit de chacune des régions. C'est ce qui est important. Je pense que ces actions plaident en sa faveur, ces faits et gestes, les différents investissements parlent d'eux-mêmes par rapport effectivement à ce qui est fait pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est important. Les visites, donc, c'est la satisfaction d'une promesse qui a été faite, une promesse qui a été faite au peuple de Côte d'Ivoire. Et nous avons l'avantage d'avoir ce grand président qui sait chaque fois se rappeler de ses promesses
et qui ne parle pas parce qu'il faut parler, qui ne veut pas séduire à travers des mots, mais par des actions. Merci, Maître Abdoulaye Ben Meïté, de nous avoir accordé votre temps, de votre temps, pour répondre à nos questions qui ont été brillamment... qui nous ont séduits, qui m'ont séduit, et je crois les réponses ont séduit tous les téléspectateurs, surtout la jeunesse, parce que c'est elle qu'il faut édifier. Alors, un dernier mot, mais cette fois-ci, pas en me regardant, mais ma caméra, pour parler à nos concitoyens ivoiriens. Nous sommes en plein dans la campagne électorale pour la présidentielle qui verra élire au soir du 31 octobre, le premier président de la 3e République de Côte d'Ivoire. Alors, Maître Maïté, un mot à tous nos concitoyens ivoiriens. Alors, je voudrais d'abord vous féliciter. Ça me paraît essentiel. Vous féliciter pour le travail que vous avez fait et pour l'espoir que vous donnez effectivement encore à la jeunesse. Et par rapport à la Côte d'Ivoire, je voudrais demander à l'ivoirien de regarder la Côte d'Ivoire, de se regarder, de regarder dans le miroir, de regarder l'avenir et de penser à sa vie, à son avenir. Et de ne pas suivre, surtout, de ne pas suivre ses émotions. Il est temps que la Côte d'Ivoire, que l'Ivoirien soit un être de raison. Que l'Ivoirien recherche ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire et non ses propres ressentis. Nous devons, main dans la main, faire tout ce qui est possible pour préserver la paix, la cohésion pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Et cette cohésion, cette paix, se trouve entre les mains du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Ses œuvres parlent pour lui. Ça, c'est lui. Alassane Ouattara. C'est aussi lui, Alassane Ouattara. C'est lui, Alassane Ouattara. C'est déjà lui.
Alassane Ouattara pour un deuxième miracle ivoirien dans la paix. Merci Maître Abdoulaye Ben Meïté. C'est moi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons au prochain numéro. Au revoir.